Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien, je vous remercie. On se retrouve pour un petit affrontement. J'ai dit que j'allais reprendre un rythme bien, c'est la rentrée généralement pour tout le monde. Donc moi aussi je vais refaire ma rentrée, c'est-à-dire avoir un planning bien serré, c'est-à-dire le mercredi la FAQ, le jeudi l'affrontement, le vendredi une vidéo, je fais n'importe quoi, le samedi une honte ou autre, le dimanche des courses, etc. etc. Le lundi je pense que ce sera des défis, bref, je compte bien refaire les choses plutôt que de laisser tout ça à l'abandon. Et voilà, donc un affrontement qui a été créé par SimSim, un membre du crew qui m'envoie plein d'activités, et souvent des activités assez intéressantes, donc je vais tester celle-ci. Si vous voulez envoyer vos affrontements, puisque je reçois beaucoup de courses, ça pour les courses vous êtes vraiment à fond, mais les affrontements très peu, ou c'est des affrontements qui sont limite vraiment beaucoup copiés par rapport à ceux qui sont proposés par Rockstar, moi j'aimerais bien des trucs un petit peu différents, je dis ça alors que je sais même pas les faire, je suis tellement nul, mais ça serait très gentil de, si vous avez des affrontements, vous allez sur ma chaîne, dans l'onglet à propos d'eux, et là vous pouvez m'envoyer un message privé, vous décrivez un petit peu l'affrontement, vous dites voilà, c'est un affrontement en 4 contre 4, 6 contre 6, etc. On doit faire ça, c'est à ce lieu, voilà. Vous m'expliquez ça vite fait, et puis voilà, hein, ça se passe comme ça, pas de prise de tête, en façon on n'est pas là pour se prendre la tête. Et puis voilà, donc ça s'appelle tunnel encombré, alerte le tunnel de Braddock, ouais. Passe a été bloqué, les personnes à l'intérieur commencent à s'énerver, ça me rappelle un épisode de The Walking Dead. Pour ceux qui ont vu la saison 4. Par contre, Guillaume, tu es un petit peu chauve, on dirait moi. Alors, à droite, c'est une femme. Enfin, elle me fait penser un petit peu à la femme de Grease. Le film avec John Travolta. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Et doucement, les enfants. Voilà. Oh putain. Allez, c'est parti. Donc, comme d'hab, je compte sur vous pour faire les marabouts, hein, pour me porter chance. Normalement, j'ai une bonne connexion, donc tout devrait. Voilà. Vous avez vu, gilet pare-balles assorti à mon bas de guépard. Je sais pas si c'est le léopard ou guépard. Oh, je joue le sniper. Je joue le sniper. Non, Guillaume, tout ça parce que je dis, parce que t'es chauve. Non, ok. Attention, parce que là, ce qui veut dire, si nous, on a eu... Non, non, Guillaume, arrête de tout prendre. Guillaume. Une heure, deux et... Je vais te manger. Non, mais Guillaume. Il y a Cotty qui nous invite pour faire une vidéo. Ça, il aurait dû laisser une âme pour une personne, vous voyez. Enfin, dans la logique, hein. Moi, je dis ça, j'aurais tout pris. Je suis un gros bâtard. Je fais ce qu'on aimerait pas qu'on me fasse. Je suis encore avec mon petit gun de merde. Ouais, faudrait laisser à ceux qui n'ont pas pris. Comme je dis, je me répète. Ah non, il se cache pas par là. Ok. Oh putain, j'ai glissé. Il y avait une flaque d'huile. Hop là, petite esquive. Voilà. Ah, je vais pas tuer. Ok. Tu l'as pas tué? Non, t'es mort. C'est pas grave, hein. Le but d'un affrontement, c'est avant tout de passer un bon moment, voilà, affrontement, bon moment, et de pas trop rager. C'est... Ok. En même temps, je suis dans un bus. Et j'aime pas les bus. En fait, que ça me fait vomir. On a pas d'armes. C'est pour ça qu'on s'est... En même temps, il a le... Voilà, c'est pour ça que je voulais récupérer quelque chose. Au moins le snipe, parce que le snipe, j'aurais pu camper derrière. Et faire ce qu'il fallait faire, là, avec un petit gun comme ça, c'est pas trop la joie, hein. C'est même pas du tout la joie, ok. C'est même pas du tout la joie, donc. Il aurait peut-être dû mettre un peu plus d'armes en même temps, on se dit ça, mais de l'autre côté, il y a... Attendez. Voilà. Bonne de fifou de la night. Ok, je lance des trucs qui servent à rien. C'est pas grave. Ah bah moi je peux pas rester comme ça à camper derrière. Enfin si j'avais joué hors vidéo, ça me dérange pas du tout. Mais en vidéo c'est pour vous c'est pas forcément grave. Oui, je marche tout lentement parce que il paraît que les cochons sont très discrets quand ils marchent comme ça. Allez. Chut. Et voilà, vous avez vu, hein, testostérone. Ça veut dire que là je suis un cochon en rut. Vous avez vu? Ouais, cochon en rute, cochon en rute. Team cochon, team cochon. Ah mais t'es... Oh putain. Je me suis pris une balle en pleine tête. Didi est vraiment chaud. Voilà, Didi le chaud. Il a pas pris son surnom pour rien. Hein, voilà, et... C'est clairement ça. Au début on se faisait un petit peu violer, mais là ça passe un petit peu mieux. Mais oh oui, il est pour moi. Voilà. Orage de ma mitraillonnage. Voilà. Oh. Non. Descends. Eh, hey, salut toi.
D'accord. Je ne dirais rien. Après, c'est vrai qu'il m'a peut-être mis un headshot. Mais bon, dans la vraie vie, tu te prends 40, tu te prends 10 balles, tu meurs, tu vois. Mais j'accepte la loi de GTA. J'accepte cette loi. Dommage qu'il n'y a pas un petit raccourci pour bifurquer à droite ou à gauche. Hop, je vais cacher derrière. Je te vois. Oh là. Non mais. Cet homme est immortel. Il y a un snipe au fond. Voilà, c'est bon. Hein? T'as voulu clash le petit cochon? T'es dans la merde. Dédicace à Cynique. Je sais même pas s'il fait toujours de la musique. Mais je lui dédicace quand même. Je lui fais un bisou. Moi je récupère l'argent. Parce que l'argent, c'est l'essence même. Oh putain! Oh my god! Voilà. Je sais pas ce que je fais. Je sais. Là il y en a un qui va rentrer. Vous avez vu? Je lui ai mis une balle en pleine tête et vous l'avez vu. Un. J'ai plus d'armes. Comment je fais? Bah je meurs. Vous voulez une question? Vous avez la réponse. Vous avez plus d'armes, vous avez plus de munitions. Qu'est-ce que vous faites? Bah vous mourrez. Mais par contre j'espère que je récupère des munitions en... Ah oui, voilà. Par contre on récupère pas des munitions de la mitraillette. Ce qui est ma foi plutôt... Hop là, petite esquive. En fait, c'est en train de faire du. Ok. J'espère qu'il se fera tuer. Voilà, bien joué, Vilo ou Vito. En fait, faut se mettre comme ça, il faut. Plutôt que viser comme un cochon, faut plutôt bien viser, vous voyez. Attention. Non, j'ai l'impression d'être dans Resident Evil, quoi. J'avance à pas, au pas. Eh, mais. Dites pas que c'est pas frais. Il y avait un mec qui était là. Vous êtes pas très... Mais putain, mais Didi, il a fait 16. Mais c'est quoi ces gens qui jouent bien GTA? Moi, plus je joue, moins je joue bien. Non, j'avoue, il a fait un très très gros carnage pour l'instant. Félicitations à lui, hein. Il faut savoir féliciter ses adversaires. En même temps, là, ils nous auront poussé assez loin. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on a tous se faire une petite bière sans alcool. Hein. Une bière sans alcool, ça existe en plus. Ah mais c'est bon là. D'accord. J'avais mon gilet pare-balles, du coup je me suis dit bon, je vais prendre la confiance. Eh bien non, rien du tout. Il m'a mis un coup de crosse, il m'a fait dégage de là, je veux plus te voir. C'est fini. Il a vraiment fait, je veux plus te voir. En plus, j'ai tué personne, j'ai l'impression, c'est pas possible. Allez. Oh non, il va. Je savais qu'il voulait récupérer l'arme. Allez-y, récupérez. Je suis l'assistant. En même temps, j'ai tué combien de personnes, moi? Je l'ai tué 3. C'est pas terrible. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est assistant. Vous dépassez assistant! J'en ai marre. Allez, il m'a proposé de faire le dégât quadruplé. Tellement je suis nul en fait. Le jeu me dit tiens, bon, ouais, on a ses roues. C'est bon là. En même temps, je sais pas à quoi ça peut servir d'avoir. Voilà, Coty's on fire. Qui veut clash, monsieur Coty? Non. Ah oui, là oui. Là, je suis chaud, là. Oh, merde. Allez. On peut y arriver les potes, on peut y arriver. Non, j'ai un fusil à pompe. Hop. C'est le moment. C'est le moment de leur faire du mal. Oh non! J'aurais pu me relever et faire mal. Ah, c'est dommage.
Oh, j'ai fait une belle remontée là. Par rapport au début, en même temps, bon, c'était la testostérone qui avait fait le truc bien. À chaque fois que j'ai des. Ah, vite, vite. C'est à qui ce camion là? Il a bougé, hein. Je suis pas fou, il était pas là tout à l'heure. Bonjour. Non. Je meurs, mais je meurs pas pour rien, vous voyez. Ah, mais on peut revenir, on peut vraiment revenir. Alors là, j'ai reçu combien de kills, là, attendez. Ah, vous voyez, en 2 secondes, je suis remonté. Yes, we're remonté. Oh là là. Vite, 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 vite. Dès qu'on a le fusil d'assaut, forcément, ça va beaucoup plus vite. Allez, les potes, si on remonte et si on gagne, je vous paye un KFC, un McDo, un Quick, un Burger King, un... Que vous... Merde, je suis dans le vide, moi aussi. Je vous paye ce que vous voulez, d'accord? C'est un bon plan. L'odeur de la bouffe. Vous la sentez, l'odeur de la bouffe? Hein? Vous pouvez l'avoir. Vous avez tout... Non, en fait, c'est un bidon. Je pensais que c'était un autre truc. Vous avez tout entre vos mains. Entre vos mains de petits cochons. Putain, c'est la terre du milieu, ici. Merde, je peux pas tirer. Allez. Ok. Non, je m'en fous. Je me ferai pas tuer. Je me ferai pas tuer. Oh, mais c'est trop chaud là. Pas moyen de récupérer des munes. Non, y'a pas moyen. Oh oui. Oh oui. On va gagner. Oui. Oh oui. Magnifique le petit loup. Magnifique! Ça, c'est un affrontement, c'est une belle remontée. Oh là là, ils ont senti dans la bouffe. Hein. Et bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout cas, franchement, je tiens à féliciter ma team, hein, à Fabien surtout, parce que Fabien, je pense que c'était lui le premier. Team Chauve, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions. Et bien voilà, donc je tiens à remercier encore une fois bah, Fabien de notre équipe et à Didi d'avoir fait un carnage, parce que si Didi était pas là, l'équipe adverse aurait été vraiment pas top. En tout cas, si cette vidéo vous a plu d'un petit affrontement au calme, tranquillou, hein, d'un abonné, vous pouvez mettre un petit like. N'hésitez pas à balancer vos affrontements en message privé, ça me ferait super plaisir. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, salut !